Il est en train de me tuer depuis tout à l'heure. Il y a Fior de Bure qui est en direct sur YouTube. C'est une dinguerie. Il est en train d'attendre le clip avec nous pour voir un peu comment ça arrive déjà. Salutations à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va checker le nouveau clip, le nouveau son de monsieur Fior de Bure en featuring avec Didi B. Et ça s'appelle On se met bien, produit par Little Boy. Rec Master Sly. Donc on attend et ça arrive dans peu de temps. Il a coupé ou quoi? Il a coupé, je sais pas, il est en train de dire des dingueries depuis tout à l'heure là. C'est une folie. Je savais pas qu'il était en direct, j'ai vu ça sur son Insta, je crois, qu'il était en direct et tout. Je me suis dit non, il faut que je regarde. Il doit être comme un ouf. Est-ce qu'il y aura un petit compteur ou pas du Puckly ou pas? Ça va bientôt commencer, on attend là, on attend. Est-ce que ça bug chez moi ou c'est déjà envoyé? Voilà, tu vois, faut remettre bien le truc. Il reste 2 minutes encore. Il reste 2 minutes, il est parti lui? Ça y est, c'est barré. C'est pareil, il y a des soucis de connexion ou quoi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que y a des connexions comme ça qui se passent. On avait déjà pu apercevoir un extrait du son. J'imagine que ça doit être celui-là. On avait déjà vu en studio qu'il y avait des trucs qui se préparaient entre Fior de Bure et Didi. Même, je crois qu'il y avait Black K qui était à ce moment-là aussi. Mais en tout cas, on attend ça. En tout cas, ça va être une belle dinguerie. Et ça va être chaud, bouillant. On attend bien comme il faut. On est en première. J'essaie d'être de plus en plus actif sur le terrain pour être un peu plus proche du game, un peu plus rapide. Donc on va voir ça. Donc en tout cas, c'est bien qu'il a pu être en live comme ça sur YouTube. Mais je vais mettre les dernières. Il a coupé. La couper parce que là il est chaud, là il sait que ça arrive. En fait, tu pensais que ça arrivait à 14 ans, mais sauf que les gens ne savent pas. C'est que quand tu mets une première sur YouTube, les artistes ne savent pas vraiment, mais il y a toujours un compteur qui est programmé par défaut, genre 2 minutes, 1 minute 30 ou un truc comme ça. Et tu n'attends pas à 14h, donc tu vas attendre 14h, 2, 3, 4, 5, ça dépend des minutes qu'il y a. Mais c'est ça en fait. Je sais pas si les gens ils sont au courant, mais en tout cas. C'est dommage ce compteur, on aurait pu être à 14h direct dessus, mais ça fait encore plus d'attente, tu vois. Tout le monde se regroupe sur le même moment et on attend ça. Je vais juste mettre les dernières minutes de. Attrapons les mains. Voici des opportunités à réunir sur cet après-midi. Tu n'as pas donné moyen, tu n'as rien donné encore pour nous. Maintenant, seul ta bouche, George, c'est un de tes mains. C'est une dinguerie, c'est terminé après. Ah, donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il disait juste avant? Il reste 2 minutes, soyez prêts, soyez connectés. Mais tout à l'heure, la magie qui a se passé, moi, mais il tremble. Il a dit il est en élection, gars. Bon allez, on coupe la vidéo de Fior et on met le Puckly. On se met bien, on met le son bien comme il faut et on est prêt. F2B Productions, très attendu ce feat, cette collab. Zonka Langa la Real. C'est Zagba ça, je commence à connaître un peu les têtes maintenant. Le son est très très spécial. Ça commence vraiment léger. Didi il est sur tous les fronts aussi. Et il est partout ce gars là. Et franchement, on attend le classique. Il a fait la petite intro pour mettre les gens dans l'ambiance.
je veux. Le clip a l'air qui est chaud. C'est exactement le même son qu'on a pu écouter lors de l'Express Studio. Hâte de voir comment Didi va arriver dessus. Il est tellement fior, tellement fort, fior. C'est dingue, il a réussi à être constant, tu vois. C'est énorme ce qu'il a fait en fait. Après, chacun peut apprécier les styles, mais c'est fort ce qu'il a fait. C'est ouf. La longévité qu'il a. Ce mouvement, ce style un peu spécial qu'il a lui. C'est ouf, c'est ouf. Des trucs comme ça. Il a usé de son flow quand même, hein. C'était rapide quand même, C'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus quand même. Parce que franchement, il est grave bien rentré sur le son et tout. Et comme je le dis à chaque fois, c'est pas évident de poser sur ce genre de son. La rythmique, elle est hyper rapide. Fior, il met la pression avec ce. Fior, il met la pression quand il est sur son domaine, il est sur son sujet, tu vois. C'est ouf. Ça continue de marcher, franchement, c'est. Ça continue toujours de marcher, c'est ouf. En fait, il m'impressionne, ce gars. Il m'impressionne beaucoup. Ah, fini, c'est fini. Ça s'appelle On se met bien. Le Fior featuring Didi Beck et Mojavelli. C'est terminé, voilà, on a pu se checker ce clip, ce son. Que dire, franchement, ce qui. Je vais parler posément. C'est ouf parce que ce gars-là, il a une longévité, enfin, depuis que je l'ai découvert. Enfin, je l'ai découvert avec Nyomi Olé. Comment s'appelle déjà Nyomi. Ah, gars, tu vois, il m'a perturbé. Nyomi et Lé, Nyomi avec Lé, c'est ça. Je me suis dit, mais attends, Nyomi c'est avec Lé quand même. Voilà, merci. Je me suis dit, attends, je peux pas oublier ça quand même. Et depuis que j'ai découvert, il a réussi à préserver son style, son authenticité avec sa rythmique, son ambiance et tout. Il s'est pas mélangé de sorte à être trop différent de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est ça qui est fort. Et ça, franchement, ça, c'est grave respectable, tu vois. Parce que le genre de son, tu vois, il y en a qui peuvent apprécier, il y en a qui peuvent ne pas apprécier parce que c'est une rythmique assez forte, rapide. Tu peux y trouver ton compte comme tu peux ne pas te retrouver dedans, tu vois. Et Fior, tu vois, on le connaît. Et Didier, franchement, a géré dessus. Et c'était pas forcément évident. Et il a grave géré. Même si c'était court, franchement, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de couplet sur son passage, sur sa perf, sur le morceau. Mais en tout cas, c'est impressionnant parce que Fior arrive à attirer, à ramener du monde, de plus en plus de monde dans son mouvement,
de plus en plus de monde dans son truc, tu vois. C'est lui qui l'a ramené. Enfin, après, voilà, je suis pas connaisseur au lointain, tu vois, sur le genre, etc. Mais en tout cas, voilà, je sais que Fior, et voilà, c'est son style, tu vois. C'est à lui, c'est son truc, c'est lui qui ramène cette rapidité, son style, son genre de flow, comment il découpe ça à l'intérieur du son, c'est ouf. Et ce qui m'impressionne, c'est vraiment qu'il a trouvé son style, sa voix, et aussi qu'il a trouvé un peu d'autres personnes qui est capable d'aller poser dessus, qui est capable d'aller se dire, tiens, je vais aller fitter avec lui, parce que il ramène quelque chose d'authentique, de nouveau, de frais. Ça ramène une ambiance spéciale, voilà, les gens apprécient, ça fait du bruit, et voilà, les gens valident, et Didi B a s'est ramené, a fait son feat proprement comme il fallait, et c'est une belle collab. Franchement, on l'attendait depuis un bon moment, franchement, et ça fait plaisir de voir des belles collabs comme ça, franchement, c'est cool. Et voilà, Fior de Björn, toujours au niveau de Ah, je kiffe comment il rentre sur la prod. Toujours des intros qui disent, ça va partir comment là? Tu dis wesh, ça va être différent. Eh non, mon gars, c'est le bon bar. Ah non, 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 non. Fior de Björn, toujours dans l'authenticité, et il préserve son style, et il préserve son truc, franchement. Et voilà, franchement, on se met bien. Et voilà, c'est quand même bien fait. La réal était belle aussi, franchement, c'est du beau travail. Et voilà, une belle collab, Fior de Björn, Didi B, on se met bien. Et voilà, on était en première avec le petit live de Fior de Björn. Il était grave excité comme un ouf. Donc voilà, on s'est mis bien. Et voilà, franchement, j'ai rien à dire, hein. Le son, on connaît l'ambiance de Fior de Björn. Il a tout tabassé, sa rythmique comme on la connaît, elle a ramené la pépite, c'était Didi dessus. Et voilà, il a fait valider le mouvement par Didi. Et voilà, franchement, c'est cool, c'est une belle collab. Et voilà, je pense que ça va cartonner. Et voilà, franchement, c'est chaud. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.